Salut les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Lautaro Martinez au Barça, c'est parti. Mais avant les amis d'El Point, n'hésite surtout pas à liker la vidéo si elle te plaît et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi activer la petite cloche pour ne pas rater la suite des vidéos à venir et nous les mecs, on est parti. Donc les frérots, la tendance se confirme bien pour Lautaro Martinez au FC Barcelone. On n'aurait visiblement pas oublié Lautaro. Et pour le buteur de l'Inter Milan, la machine aurait été relancée. À la recherche d'un buteur de renom pour cet été, le FC Barcelone espère notamment pouvoir recruter Erling Haaland. Toutefois, alors que l'arrivée du Norvégien ne sera pas une mince affaire, d'autres alternatives existeraient en Catalogne. Ce mardi, Raquan a ainsi relancé le feuilleton Lautaro Martinez, assurant que le Barça pensait toujours au buteur de l'Inter Milan. Annoncé l'été dernier comme le futur, le potentiel successeur de Luis Suarez, l'Argentin pouvait enfin débarquer au Camp Nou, notamment dans le cadre d'un échange de joueurs. Dans la foulée, c'est Sport qui est venu confirmer la tendance pour Lautaro Martinez. Le buteur de l'Inter Milan serait bel et bien une alternative pour le FC Barcelone, qui aurait ainsi relancé les contacts avec l'Argentin, qui plairait d'ailleurs bien à l'entraîneur Ronald Koeman. Une approche visiblement bien accueillie par le principal intéressé qui estimerait encore et toujours que son avenir s'écrira un jour ou l'autre au Barça. Cela sera-t-il pour cet été? Comme le précise le média ibérique, les Blaugrana resteraient prudents mais ils penseraient tout de même à avoir leur chance compte tenu des déboires financiers de l'Inter Milan. Des chances qui seront d'ailleurs encore plus grandes si Lionel Messi venait à rester à Barcelone, car on connaît tous les mecs, l'amitié entre Lautaro et Messi. Sans dire les mecs que Lautaro Martinez aurait confirmé l'existence des négociations avec lui et le FC Barcelone. Désireux de préparer la succession de Luis Suarez, il y a quelques mois, Josep Maria Bartomeu avait fait de Lautaro Martinez sa priorité. Une piste validée par un certain Lionel Messi qui évolue aux côtés de l'attaquant en sélection argentine. Cependant, le joueur de l'Inter Milan n'a jamais rejoint le FC Barcelone en raison de sa clause libératoire estimée à 111 millions d'euros. Bien trop élevé pour le club culé. Lautaro Martinez est donc resté à l'Inter et se prépare à prolonger son bail. Redoutable cette saison avec 15 buts en 33 apparitions de toutes compétitions confondues cette saison, l'Argentin est revenu sur son départ avorté vers la Catalogne dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. C'est vrai, nous travaillons avec Barcelone, c'était le chemin, mais je ne peux pas vous dire à quel point je me suis rapproché de ce club. Mais avec Conte, j'ai été très clair. Je lui ai dit, ma tête est là. J'ai tenu une promesse, je ne serai pas perturbé. Mais maintenant, c'est le passé, je prolonge avec l'Inter, a récemment révélé ce samedi Lautaro Martinez sous contrat actuellement jusqu'en 2023 avec l'Inter. Voilà en tout cas les gars pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que les vidéos sur le Barça vous kiffez, en voici une autre. Dites-moi votre avis en commentaire. Pensez-vous que Lautaro Martinez va rejoindre le FC Barcelone cet été? Il l'a dit en interview, il rêve et il sait très bien qu'il va jouer un jour au FC Barcelone. Pensez-vous que ça va se faire cet été? Dites-moi votre avis en commentaire. Merci de m'avoir regardé. Salut!